Bonjour petits zéro lecteurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Ce week-end je serai à Bouillon, donc dans les Ardennes belges, au festival de l'imaginaire. Si vous souhaitez passer sur le stand des Trois Nordes, n'hésitez pas. Et on va commencer tout de suite avec de la fantasy française, voilà, totalement made in France, et un essai sur la fantasy, qui est assez intéressant sur Game of Thrones, je pense que ça peut vous plaire. Commencer par le premier qui me tombe sous la main, c'est peut-être... Alors j'ai été un petit peu déçue de cette lecture parce que j'avais énormément aimé un précédent titre de l'autrice. Simplement, je pense pas que ce soit le genre de titre qui me soit adressé, et notamment c'est un one-shot, c'est très précipité et c'est pas la hauteur en fait de sa série précédente, même si j'ai passé un bon moment de lecture. Je vous présente Un éclat de givre d'Estelle Faye, donc Estelle Faye, autrice française qui a écrit Le Seigneur de Bohème, que j'ai beaucoup aimé, notamment le premier tome, j'ai pas encore lu le deuxième. Un éclat de givre, déjà c'est un récit qui brille par son originalité. On est dans un Paris après la fin du monde, un siècle après la fin du monde. On suit donc Chet qui est un chanteur un peu de cabaret qui vit un petit peu de larcin et tout, de petites épreuves de la vie, pas très très riche, et qui doit se débrouiller dans un Paris où la nature a un petit peu pris le pas. Il y a pas mal de créatures fantastiques qui vivent dedans, donc on est vraiment dans un mélange un petit peu post-apo, imaginaire, très, très bouillonnant et très original. Et Chet va voir sa vie bousculée le jour où il va être contacté par un homme de la bordure, donc qui est sur le périph' parisien, qui est là en fait où il y a un peu des marécages et tout ça, pour l'aider à rentrer dans un endroit un peu particulier et chasser un homme qui propose une nouvelle drogue qui pousse les gens notamment à faire des actes un peu problématiques. On est sur un récit très original, déjà par l'inspiration post-apo, plus des créatures fantastiques, une ambiance plein de costumes très colorés, vraiment le côté post-apo, je dirais même punk post-apo, est assez, assez original. On retrouve plein de liens avec Paris, l'univers est super cool, plein d'idées originales avec cette drogue qui est particulière. Le personnage de Chet aussi est très original, voilà, c'est un peu un personnage en dichotomie. Estelle Faye, elle a une plume, alors comme je vous dis, moi je suis pas hyper à l'aise avec les plumes où c'est hyper précipité et hyper bref la manière dont c'est fait, donc c'est à dire que c'est pas des grandes phrases, c'est extrêmement court et tout ça, donc ça donne énormément de rythme, donc en fait le livre tu le bouffes très très vite, et simplement moi c'est pas ce que j'apprécie, mais Estelle Faye brille là-dedans. Je vois bien que c'est un truc qui est vraiment très bien fait, dans le sens que t'as envie de tourner les pages, voilà, c'est un style qui est particulier. Le personnage de Chet et les autres personnages sont des personnages qui sont hyper chouettes parce qu'ils cassent un petit peu les clichés, ils sont assez exubérants, il y a une belle petite palette avec vraiment chacun son passé et tout. Et l'aventure, l'histoire en soi, elle est assez cool avec cette espèce de recherche de détruire cette drogue qui est en train d'engrainer la ville. Une fois qu'on est arrivé aux enfers, donc le lieu qui est demandé, je trouve que le récit se précipite énormément, qu'on a un enchaînement d'aventures et qu'à chaque fois on ne craint pas pour la vie du héros, parce qu'on est dans un espèce de texte où il n'y a pas d'enjeu sur sa survie, et ce qui fait que personnellement on savait à chaque fois qu'il allait s'en sortir. Et malgré le fait qu'il y a des super bonnes idées, il y a tout un truc avec des chirurgiens au fin fond des enfers qui font des créatures très bizarres. Vraiment, c'est très loufoque et hyper bien fait, et vraiment, c'est vraiment génial pour ça. Simplement, c'était hyper précipité et à chaque fois, on développait pas les choses. Et moi, je suis une personne qui aime quand le world building est développé et tout, donc j'étais frustrée là-dessus. Et pareil, en fait, même la narration, on part sur quelque chose qui prenait assez son temps et tout se précipite, tout se conclut super vite. J'étais en mode, ouais, moi, c'est pas ce que je préfère, mais en même temps, quand c'est un one-shot et que t'as envie de lire un truc comme ça, direct en one-shot, pas trop compliqué à suivre, une grande aventure. Voilà, c'est fait pour ça. Il y a le côté aussi romance dans le texte. Alors, Chet, c'est un personnage qui est pas toujours... je l'ai pas toujours énormément aimé. En fait, il rapporte énormément de choses à la fesse. Et c'est un peu agaçant. Voilà, c'est un peu redondant dans le récit. Voilà, c'est un truc qui m'a un peu agacé. Et notamment, tout le côté romance est un truc qui m'a un petit peu gêné. Alors, même si c'est un livre qui est LGBT, ça, c'est super chouette. Dessus, voilà. Estelle Faye a toujours été très en avance sur la fantasy française pour ça. Il y a le côté où, bah, déjà, tout est précipité. Et il y a une romance dedans, il y a un personnage qui revient où j'ai pas du tout accroché à ce point là, j'ai trouvé assez agaçant, et je pense pas que ce soit le but de l'autrice de ça. Une précipitation et un style en fait qui est hyper bref et tout, ça donne un côté encore plus, on tourne les pages, il y a plein de choses qui se passent qui correspondent pas à moi, ce que j'aime en tant que lectrice. Moi, en tant que lectrice, je préfère qu'on prenne son temps, un peu plus comme dans Les Seigneurs de Bohème, mais puis qui peut correspondre beaucoup plus à des lecteurs qui aiment bien être emportés dans des styles où c'est pas trop compliqué, où ça va très très vite, où il y a pas mal de choses qui se passent, un petit peu, voilà,
un peu en one shot, des lecteurs qui ont besoin d'être accrochés très très vite au récit, ça, ça peut plaire. L'ambiance est super cool, très originale, et ça, ça en vaut le détour rien que pour l'univers, l'ambiance qui a été créée. La narration et le rythme, c'est quelque chose qui m'a un petit peu moins plu dans le texte, mais il en reste que je suis toujours très admirative du travail d'Estelle Faye sur ces univers, et ça, c'était vraiment présent dans Un éclat de givre. Alors là, on passe à un essai sur une œuvre littéraire extrêmement importante, donc Game of Thrones, acte du colloque des Imaginales 2020 sous la direction d'Anne Besson. Donc c'est le dernier qui est sorti en date parce que il y a eu un nouveau, ça c'est les poils de Freya, il y a eu un essai sur l'afrofuturisme, mais je crois pas que ça soit chez ActuSF. C'est que j'aurais préféré que tout soit dans la même collection, et je trouve qu'ActuSF fait du bon travail là-dessus. Donc les colloques l'acte de colloque des Imaginales, c'est quoi? Alors c'est un regroupement d'articles de chercheurs sur un sujet précis, donc qui est la Game of Thrones, avec dans une grande introduction il y a eu un colloque qui a été organisé avec des auteurs sur le sujet de Game of Thrones et qu'est-ce que Game of Thrones a eu par exemple comme impact sur leur travail. Donc il y avait par exemple il y avait Estelle Faye, il y avait Lionel Davoust, il y avait Emmanuel Chastelière, bref, il y avait des auteurs de l'imaginaire français, c'était très intéressant, moi j'aime beaucoup cette partie-là, et des articles sur Game of Thrones, et je dois vous dire que c'était extrêmement passionnant. Alors, Game of Thrones et moi, nous avons une grande relation d'amour, comme je vous l'avais déjà expliqué, j'ai découvert Game of Thrones avant la série, quand j'avais une quinzaine d'années, donc j'étais pas forcément le lectorat qui était visé par George quand il a écrit ses livres. J'ai lu quelques mois avant que la série sorte, parce que je voulais lire les livres avant que la série sorte, et je me souviens, je l'avais lu pendant les vacances, c'était génial, au bord de la piscine. Donc, cette recherche, elle va vraiment parler de Game of Thrones de plusieurs manières. Déjà, l'introduction est faite par Anne Besson, donc c'était super intéressant. Autant parler en fait du Game of Thrones des textes. Donc, est-ce que ça repose sur des stéréotypes ou est-ce que ça réinvente le genre? On va avoir la question du réalisme, notamment le réalisme historique. Est-ce que le réalisme historique justifie tout dans le texte? L'impact de la série, est-ce que ça va mettre fin au genre? Est-ce que ça renouvelle le genre? Est-ce qu'au contraire, ça risque d'atténuer le genre? Bref, il y a vraiment des articles très très intéressants dessus. Il y a tout le côté historique du texte qui est vraiment étudié. Il y a aussi la vision des femmes dans Game of Thrones, c'est ce que ça soulève comme question. On a aussi tout un chapitre très intéressant sur la traduction, la réception médiatique. Bref, ça bascule vraiment du texte à la série sous un angle extrêmement large. Les articles sont toujours faits de façon très accessible. Accessible avec, bon, en plus Game of Thrones ça parle quand même à énormément de gens, beaucoup plus que l'imaginaire et le fantasy, hein, on doit se le dire, et les articles sont vraiment très intéressants parce qu'ils vont pas dans le consensus forcément général. J'ai bien aimé en fait les articles qui étaient choisis. Il y avait un article qui était assez intéressant sur le fait que la série de Game of Thrones, est-ce que ça va pousser à faire de la fantasy à la télé, ou est-ce qu'au contraire ça va standardiser un certain type de fantasy à la télé. Bref, ça soulève des questions, même avec Me Too et tout. Chaque sujet pourrait avoir une thèse dessus, hein, tellement c'est assez large, mais ça permet d'aborder le texte de façon assez différente. La traduction, moi je savais pas que ça avait changé de traducteur pour des raisons de conflit éditorial par exemple. Voilà, j'ai appris pas mal de choses. Il y aura forcément des articles qui vont vous intéresser quand vous êtes fan. Voilà, je trouve ça toujours intéressant de voir ce qu'il y a autour du livre, comme voilà, ce que j'aime découvrir autour de Tolkien. Et en plus, il y a pas mal de bibliographies, des chercheurs qui sont reconnus. C'est accessible tout en étant assez poussé, en ayant quand même la frustration de toujours en vouloir plus, parce que bah voilà, ça doit être mon côté littéraire. C'est difficile pour moi de critiquer des essais, j'ai pas le niveau de ces gens-là. Comment je peux avoir la prétention de les critiquer? Mais là, je trouve que la sélection est très très bien faite, j'ai vraiment été très intéressée. Donc si vous aimez Game of Thrones, si vous avez envie d'en savoir beaucoup plus, même sur la question historique, hein, on apprend pas mal de choses sur le fait que George, en fait, c'est pas si historique que ça, voilà, sur le traitement, par exemple, de George vis-à-vis de Tolkien, il y a pas mal de choses qui sont faites et qui sont vraiment très, très abouties et très recherchées. Et ça vaut vraiment le coup si vous êtes intéressé de lire des choses sur l'imaginaire. Et enfin, je vous présente un livre qui est le premier tome d'une série d'un auteur dont j'ai déjà découvert les romans et je suis très contente de ma lecture. Sincèrement, c'est le meilleur texte que l'auteur a écrit pour l'instant selon moi, et de loin. J'ai été surprise. Alors, c'est horrible de dire ça, mais j'étais surprise du bon qualitatif, voilà. Peut-être parce qu'il est meilleur dans ce genre-là, ou peut-être qu'il a réussi à corriger aussi ses défauts, je trouve, par rapport aux autres textes. Donc il s'agit de Adrien Thomas, Vaisseau d'Arcane, que j'avais choisi exclusivement pour la couverture et parce que c'est un petit peu
une ambiance un peu steampunk. On est dans un univers très original, et déjà c'est la force du récit, où il y a des orages. Il y a des orages assez importants. Les villes sont protégées par ces orages, par des espèces de murs, bref, voilà. Le frère est un éditorialiste un peu sarcastique qui dénonce un peu ce que fait le gouvernement, jusqu'au jour où il va être touché. Donc en fait, c'est la foudre qui lui tombe dessus, ce qui n'arrive plus jamais dans la ville parce que bah, c'est protégé. Et les touchés deviennent des vaisseaux d'arcane, c'est-à-dire que, physiquement parlant, ils sont plus maîtres d'eux. Voilà, ils bavent, ils réagissent plus du tout, mais ils sont doués d'une certaine magie qui est utilisée par le gouvernement pour piloter, voilà, pour être un peu lié à la technologie. Il est touché, sauf que ça arrive quand sa sœur est dans le coin, sauf c'est une infirmière assez discrète qui est fiancée à un jeune homme de l'armée qui ne veut pas que son frère parte parce qu'elle est au courant des rumeurs sur le fait que son frère va devenir un espèce d'esclave pour le gouvernement, un homme qui va servir à la technologie et qui va être utilisé. Donc elle va embarquer son frère, frapper d'un coup de poing dans le visage son fiancé et sortir de la ville pour essayer de lui sauver la vie. Je vais pas vous en dire plus sur Vaisseau d'Arcane parce que ça se laisse découvrir. On est sur un récit qui parle là-dedans mais qui va être beaucoup plus sur les complots politiques et c'est vraiment assez chouette dessus. On est sur une ambiance entre la technologie, la faérie et la fantasy qui est vraiment très très bien fait avec des personnages qui sont très attachants et très très bons. Ah oui, puis je vous ai pas dit qu'il y a un assassin aussi. On suit les deux points de vue importants. On suit un assassin un peu du gouvernement qui va être envoyé sur une mission. Voilà, je vous laisse découvrir. C'est une duologie, le tome 2 est sorti pour les Imaginales il y a quelques mois. J'étais très surprise, parce que Adrien Thomas, j'avais bien aimé Le Chant des Épines, qui était pour moi son meilleur univers de ce que j'avais lu, mais c'était pas non plus un coup de cœur. C'était pas non plus un coup de cœur parce que je pouvais lui reprocher déjà le rythme de ses récits et surtout parfois ça faisait un peu boogie-boulga, je sais plus parler, un espèce de bouillon de plein d'inspiration qui fonctionnait pas forcément avec un manque d'attachement au personnage et notamment beaucoup de repompage de clichés d'imaginaire qui m'avait un petit peu saoulé, notamment dans sa première série où j'avais pas du tout accroché. Voilà, j'avais pas du tout accroché, c'était beaucoup trop classique. Là, j'étais vraiment surprise par le bon qualitatif parce que là, le rythme est très bon. Même si on a un éparpillement des points de vue, c'est pas long, c'est bien rythmé, c'est pas précipité. L'univers est beaucoup plus creusé que d'habitude et beaucoup plus crédible que d'habitude. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment surprise. Beaucoup plus original, qui mélange l'imaginaire et la fantaisie, mais de façon beaucoup moins décalée de ce qu'il y avait eu avec cette espèce d'imaginaire médiévalo-technologique qui parfois est un peu compliqué à visualiser. Moi, ça m'avait fait un petit peu des blocages à la lecture. C'est beaucoup plus sensé. Les personnages sont beaucoup mieux écrits, sont beaucoup plus intéressants. Que ce soit tous les personnages, j'ai été surprise et agréablement surprise. Ça a été une excellente lecture sur ces points-là. La narration aussi. L'histoire, alors, il y a autant le complot politique où je m'attendais pas du tout à ce qu'on aille dans des débats et tout de complot politique qui est hyper intéressante. Mais surtout l'histoire de Sof, qui est un petit bout de femme hyper agréable à suivre et plein de nuances, et de son frère, et la fin est ouf. La fin donne vraiment vraiment envie, mais c'est déjà l'histoire qui est hyper chouette et hyper originale avec vraiment le world building aussi. C'était tellement bien fait, mais c'est surtout, je crois, le point fort, c'est l'univers et le world building. Il y a plein de créatures différentes qui sont créées, mais c'est des choses qui sont beaucoup moins clichés. On a des espèces d'hommes-poissons, les gars. On a les hurleuses qui sont ces espèces d'orques dans le texte qui vivent dans des lieux un petit peu difficiles à la survie. Il y a vraiment des sociétés qui sont construites, et toutes les sociétés sont liées par des complots politiques et tout. C'est vraiment très très bon. Ce n'est pas un coup de cœur, mais je pense qu'on n'en passe pas très très loin. Je dois le dire parce que c'est pas forcément que ça m'arrive souvent en imaginaire français, mais j'ai été très admirative du travail autour du texte. Je pense que voilà, c'est peut-être des années de travail, mais vraiment, univers, personnage, histoire, tout est bon. Même la plume, parce que la plume aussi s'est améliorée. Chose un peu plus recherchée, le style est beaucoup plus fluide. Bref, une nette amélioration et je comprends pourquoi les gens se sont jetés sur le tome 2 en fait, parce que c'est vrai que aux Imaginales ils avaient tout vendu, mais c'est hyper qualitatif. Je n'ai pas forcément de points négatifs à soulever. Peut-être que le complot politique prenait un petit peu trop de place par rapport à la narration principale. J'ai hâte de lire le tome 2. Voilà. Je pense que j'ai pas eu le coup de cœur. C'était pas assez violent à mon goût en termes d'action et tout ça, et que j'ai pas eu un coup de cœur
non plus pour les personnages, même si les personnages sont super bien faits, mais il en reste que c'est très très bon. Voilà, c'est, je pense, un des meilleurs livres que j'ai lu d'imaginaire cette année. Sans doute le meilleur avec Le Chien du Forgeron. Donc vraiment, à découvrir. Elles disent « Adrien Thomas au sommet de son art de conteur et bâtisseur d'univers », je suis tout à fait d'accord. Et le côté steampunk qui est mélangé à la fantasy, c'est super bien dosé. Bref, un très très bon récit. Alors, je vais pas trop m'emballer parce qu'il y a le tome 2. Voilà, je verrai si c'est une série coup de cœur à la fin du tome 2, mais je vous conseille absolument de découvrir cette série si vous aimez le steampunk, si vous aimez l'imaginaire, si vous avez envie de lire un truc qui change. N'hésitez pas, si vous aimez les complots politiques, les personnages qui sont attachants, bref, ça, en fait ça condense tout ce qui fait un bon livre, où on passe un bon moment, et j'ai pas forcément d'explication pourquoi j'ai pas eu un coup de cœur. Peut-être parce que tout ce qui est complot politique, à un moment, j'étais en mode, ça, voilà, c'est sympa, mais sans plus, il en reste que, bah, c'était super chouette, et j'ai pas trop de choses à dire, en plus l'esthétique du livre, tout est très bon. Vraiment, même nous, vous avez fait du très très bon travail avec ce bouquin, et de lire le tome 2, hein, voilà, donc il n'y a plus qu'à l'acheter, mais très très bonne découverte, et comme je vous dis, je suis hyper impressionnée, et c'est pas pour être du genre critique par rapport aux autres livres d'Adrien Thomas, mais j'ai l'impression d'avoir deux auteurs différents, vraiment par rapport à ce qui est venu, voilà, c'est pour ça que c'est chouette de voir les auteurs évoluer dans leur style d'écriture, là il y a une véritable évolution, une véritable avancée, un truc qui est vraiment très très bon, et vraiment bah merci Memnos pour cette découverte parce que ça m'a fait vraiment du bien et ça valait vraiment le coup. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, vraiment très très belle lecture, et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.